Cocteau, c'est ton ami. Soutiens-le dans la boutique et il sera ravi. Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouveau concept où tout simplement, voilà, je vais répondre à Soutenir un créateur à toutes les questions qu'on me pose. Je suis actuellement en live stream sur Twitch. Voilà, vous voyez, il y a tout le chat là, là directement. Vous pouvez rejoindre, je fais du Fortnite, je fais un peu de tout. Le lien est en description. Voilà, je suis en live tous les jours. Généralement, c'est 20h, 2h du matin, donc voilà, voilà. Bref, je vais répondre à toutes vos questions. Je vais essayer d'être le plus formel possible et vous apporter pas mal de réponses à vos questions parce que bah, c'est vrai que Soutenir un créateur, personne n'en parle. Bref, je vous souhaite un bon visionnage. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu et à vous abonner. Et puis voilà. Combien tu as de soutien? Alors actuellement, j'ai combien de soutien? Attends, je vais vous dire ça maintenant. Soutien dans la boutique, j'en ai 1400 et quelques. 1400 et quelques. Et j'étais monté à 3200 pendant ma map edit. Pendant le truc sur ma map edit, j'étais monté à 3200 soutien. Et là, je suis redescendu un petit peu et je redescends pas mal. Je suis à 1400, mais je fais que descendre. Je vais descendre sûrement à 1000. Enfin, je vais sûrement être autour de 1000 dans pas longtemps. Là. Comment avoir un code créateur? Comment est-ce qu'on peut avoir un code créateur? Alors, pour avoir un code créateur, il suffit juste d'avoir 1000 membres sur un Discord, sur un Twitter, sur une chaîne YouTube, sur une chaîne Twitch. Il faut juste 1000 soutiens, enfin 1000 membres, 1000 abonnés sur n'importe quelle plateforme, Twitch, YouTube, Discord, tout ce que tu veux. Et tu pourras prétendre à avoir un code créateur, tout simplement. Voilà, voilà. Si tu n'avais pas le code créateur, tu pourrais vivre du stream et YouTube. Alors, ça dépend des mois. Le mois dernier, par exemple, si j'ai pas le code créateur, oui, largement. Le mois d'avant, si j'avais pas eu soutenir un créateur, ça aurait été mitigé. Et ce mois-ci, sans soutenir un créateur, je... Non, non. Soutenir un créateur, ça me permet trop de vivre. Et puis, soutenir un créateur, je mets beaucoup d'argent de côté. Parce que là, comme vous le savez, je vais changer d'appartement. Je dois acheter 1000€ de meubles. 1000€ de meubles, mec. 1000€ de meubles. Je dois acheter un setup parce que je vais faire des live cuisine. J'ai trop envie de faire ça. Ouais, j'ai envie de faire ça. Donc, ouais, clairement, sans soutenir un créateur, ça serait quand même difficile. Je dis pas impossible, mais vraiment difficile. Est-ce que le pass de combat t'a fait remonter en soutien? Le pass de combat, il m'a pas tellement fait remonter en soutien. Mais par contre, il m'a fait remonter en pépette, en argent. En liquide. Ouais, merci à ceux qui ont acheté le pass de combat avec mon code. Hein. Tu gagnes plus que YouTube avec le code créateur. Vous voulez que je vous fasse un truc crescendo, décrescendo? Crescendo, décrescendo? Bah en fait, soutenir un créateur, ça situe... Alors je dis... Ça dépend des mois, ça dépend des mois. Je vais prendre l'exemple du mois de... combien? Je vais prendre l'exemple du mois, alors mai, avril... Mars, on va prendre le mois de mars. Le mois de mars, je dirais que le premier c'était Twitch, le deuxième c'était YouTube et le troisième soutenir un créateur. Le mois avril c'était pareil. Avril. Et ce mois-ci, le mois de mai, ça sera plus Twitch. Je sais pas trop hein, parce qu'en vrai Twitch est tellement basé sur les donations, subs, tout ça que c'est un peu instable, vous voyez. Donc en vrai de vrai, ce mois-ci, je dirais presque soutenir un créateur, Twitch et YouTube. Mais Twitch reste quand même souvent au-dessus quand même. Ce genre un achat de 2000 V-Bucks, tu gagnes combien en pourcentage? 5%, je gagne 5% quoi qu'il arrive. Donc en gros, je touche 10 000 V-Bucks. Pour sur 10 000 V-Bucks dépensés, je touche 5$. 5$. Donc sur 2000, ça fait... ok Google, 5 x 2000 divisé par 10 000. La réponse est 1. Ah, je gagne 1$, voilà, tout simplement. Bah, je suis con. 5 x 2, oui. Bref, ouais, donc sur. Par exemple, sur le skin rapace féminin, je touche 1$, donc voilà. Tu trouves ça les chiants qui balancent tout le temps le code? Ah ouais, ceux qui spamment le code. Bah, en vrai, tu vois, ça me dérange pas tellement ceux qui spamment leur code créateur parce que il y a tellement d'argent à se faire. Il y a une somme d'argent, vous pouvez même pas vous imaginer, vraiment. Il y a des sommes astronomiques d'argent à se faire. Mais tu vois, quand c'est pour financer des trucs ou quoi que ce soit, ou que c'est. Comment dire? Tu vois, il y a des. Tu vois, comme me chouer. Il avait fait une intro, tu vois, elle est sympa son intro, ça force pas trop. Mais il y a des mecs, voilà, je vais dire le blast, Drixio, il devait aller aux États-Unis déguisé en Monsieur Tomate, il me semble. À 40 000 soutiens, on attend encore, tu vois. Et là, ça me dérange un peu plus. Ça me dérange un poil plus dans le sens quand tu forces et que derrière, il n'y a pas vraiment de truc ou de contrepartie. Ou comme Warolf qui dit qu'il va faire gagner des trucs. Enfin, ça rentre dans un cercle un peu de concours de merde et... Je trouve ça un petit peu dommage. Après, tu vois, ça me dérange pas mettre le code créateur d'une personne que j'aime. Enfin, ouais. Et c'est pas forcément quand tu le spam que t'en as le plus, quoi. Il y en a qui forcent avec le code. Ah ouais, il y en a qui forcent. Hein. Après, moi, des fois, je force aussi en vrai. Mais moi, c'est. Tu vois, encore un petit. Un mec qui en a besoin, tu vois, je m'en fous un peu, tu vois. Mais après, il y a forcé, tu vois. Il y a forcé. Genre, il y a le mec qui va forcer vraiment à chaque vidéo qu'il fait. Il force, chaque live, il force. Ça me dérange un poil plus quand même. Hein. Le mec qui force vraiment à chaque live, chaque vidéo, tout ça.
J'ai un peu de mal. J'ai encore un peu de mal. Alors, par contre, aussi, le code créateur, il y avait un autre truc que je voulais parler, je sais plus quoi. Epic Games sont très malins parce que toutes les deux semaines, ils s'enlèvent le code créateur. D'ailleurs, regarde, on va aller sur Epic. Je suis quasiment sûr que si on va sur Epic Games, mon code s'est enlevé. Voilà. No joke, là, on est en live, de toute façon, pour regarder le ride. Il s'est enlevé, mon code, vous voyez. Hop là. J'y pense jamais, tu penses jamais le remettre. Enfin, sûr, tu penses pas le remettre. Et c'est vrai, c'est tout con. Enfin, c'est tout con et on n'y pense pas souvent, quoi. On passe pas toujours à remettre le code créateur et ça c'est très malin de la part d'Epic Games parce que on est obligé de le spammer sinon vous pensez pas à le remettre. Bah, même moi je pense pas à remettre mon propre code mec. Je pense même pas à remettre mon propre code créateur donc je me dis les autres vont pas penser à mettre ton code et ça c'est malin, ça c'est malin. Et puis combien de personnes achètent des skins sans code, enfin bref, c'est très très malin de la part d'Epic Games et très chiant pour ma part. Bah, tu ferais quoi avec l'argent que tu gagnes par le code créateur? Bah avec l'argent que je vais gagner par le code créateur, je change beaucoup de meubles, faut que j'achète tous mes meubles. En gros, j'étais dans un appartement meublé, donc là je suis toi meublé, là il y a des meubles, tu vois, là, une table, c'est meublé. Et sauf que là où je vais, bah il y a rien du tout, il y a R mon gars, il y a un bâtiment vide, il y a juste la cuisine. Donc voilà, donc faut tout que j'emménage, que j'achète un... Bref, voilà, donc pour l'instant l'argent de soutien à un créateur, elle sert à ça et aussi à payer le loyer, tout simplement. Un code créateur, c'est mieux lorsqu'il est court. C'est vrai qu'un code créateur, Cocteau, je sais pas après, en vrai, long et oui et non, tu vois, t'as le bouseux, t'as tout ça, le fourruteur. Le Nextase, Voz, tout un tas de codes incroyables, tu vois, qui eux sont faciles à retenir, tu vois. Mais quand t'as des. Comme UMS, là, Unkno MySkill, à l'époque c'était Unkno tiré du bas MySkill. C'est sûr que c'est toujours plus dur, quoi. Il faut être stratégique aussi là-dessus. Tu gagnes combien? Combien est-ce que je gagne? Parce que c'est vrai que c'est la question qu'on me pose souvent. Combien est-ce qu'on gagne? Alors, pourquoi personne nous le dit? C'est vrai que pourquoi personne le dit? Parce qu'en vrai, pourquoi y a aucun mec qui se dit, bon, vas-y, c'est quoi, moi je le dis, je m'en fous, tu vois. Ah là là, Epic Games sont très intelligents, ils en ont marre. Eh les gars, Epic Games sont forts. Enfin, ils sont forts, en vrai, je sais pas là. Hein. Ils sont tout... Enfin, ils veulent pas le dire, ils veulent pas qu'on le dise. En gros, dès qu'on rentre dans l'analytique l'analytique, oui, bien sûr. L'analytique soutenir un créateur, eh ben, on doit accepter des clauses de confidentialité, je sais pas trop quoi. Genre, en gros, que si on dit combien on gagne, on a une chance de perdre notre code créateur. Quoi. En gros, ils peuvent nous l'enlever. Et je vais pas vous mentir, s'ils m'enlèvent mon code créateur... Ah ça irait mal, ah ça irait mal, ça irait mal. Donc ouais, clairement, bah ouais, c'est sûr. Hein. Epic Games sont pas bêtes, hein. Ils veulent pas qu'on le dise parce que ils veulent pas. En fait, ils veulent rester dans l'optique que Fortnite c'est un petit jeu pour enfants, que tu mets le code de ton YouTuber préféré pour le soutenir et voilà. Mais ils veulent pas que tu saches que tu gagnes des milliers, des dizaines de milliers d'euros, et des centaines de milliers d'euros pour certains et Ninja des millions de dollars. Bref, c'est voilà. Code créateur pourrait te faire vivre ou pas. Quand j'avais 3200 soutiens. Quand j'avais 3200 soutiens, je pourrais quasiment vivre du code créateur. Pour vous dire, voilà, je dis pas de chiffres, mais 5000 soutiens, j'en avais 3000, hein, j'en avais 3000 à l'époque, 3200. À 5000 soutiens, tu vis du code créateur. 5000 soutiens, tu tires un petit, je dirais pas, je peux pas dire de chiffres, mais tu tires, tu peux vivre du code créateur. Il y a pas de problème, tu peux. 5000 soutiens, tu vis du code créateur, tranquille ou bilou. Et bien 10 000, voilà, et puis 20 000, et puis voilà, et puis 50 000, et puis voilà. Et 100 000, et c'est, voilà, insane. Ah ouais, voilà, hein. Donc 5 000 soutiens, dites entre 5 et 10 000 soutiens, vous pouvez vivre du soutien créateur, voilà. Ça dépend de ta communauté, ça dépend de tellement de choses. C'est qui a le plus de soutien dans le monde? C'est Ninja, je crois. Ninja, il a 2 millions 2, je crois, ou TFU, je sais plus. Je viens d'arriver, je sais pas si tu as déjà répondu à la question posée par le code créateur. Tu gagnes combien si l'utilisateur achète rien? Ah mais rien, les gars, en gros, quand vous achetez quelque chose... On gagne de l'argent, mais si vous achetez rien, on gagne rien. Hein. Aussi, un truc qui soutenir un créateur, ils ont été malins parce que, en gros, tant que t'as pas débloqué 100$, tu peux pas demander l'argent. Donc, combien il y a de créateurs soutenus dans la boutique qui ont pas 100$? Parce que 100$, les gars, c'est 2000€ de V-Bucks dépensés. Hein. Vous imaginez, les gars? 2000€ de V-Bucks dépensés avec un code pour pouvoir retirer de l'argent, tu vois. Donc, c'est énorme, c'est énorme. C'est à partir de quand qu'on a les PP? Ah oui, ça, c'est vrai! Alors, je crois qu'on pourra me confirmer ça dans le chat, je sais pas s'il y a le grand max ou pas, mais je crois qu'à partir de centaines de soutiens, tu peux avoir accès aux parties privées. D'ailleurs, je comprends pas. Alors, on peut peut-être confirmer ça, hein. Mais je crois que c'est centaines, hein, un peu moins de 100, 60, peut-être entre 60 et 120, je crois, un truc comme ça. Ouais, 100 soutiens, ouais, peut-être possible. D'accord. Maintenant, c'est dispo à tout le monde. Ah ouais, tout le monde, dès que t'as un code, tu es... Ah ouais. Par contre, les parties privées ils devraient vraiment réguler ça. Hein. Fortnite devrait vraiment réguler ça parce que c'est abusé par certains streamers qui abusent un peu de ça. On va aller sur Twitch là vite fait. Regardez, je vais sur Twitch. Voilà, vous voyez pas forcément l'écran parce que j'ai pas envie de leur faire de la pub quoi. Mais là, voilà, hein, j'ai quoi? J'ai vraiment une ligne partie privée,
Partie privée. Je cherche mon duo. Enfin, je trouve que ça casualise un peu Twitch en mode il y a que ça maintenant. Genre, bro, genre, je veux me détendre le soir ou le matin, tu vois. Et bro, il y a que ça maintenant, c'est casse-couille quoi. Bref, les gars, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Voilà, si ça vous a plu. Si j'ai pas répondu à certaines questions qui n'étaient pas dans cette FAQ entre guillemets soutien un créateur, n'hésitez pas à aller me suivre sur ma chaîne Twitch. Voilà, vous me suivez sur ma chaîne Twitch, voilà, vous pourrez répondre, voilà, je répondrai à vos questions, tout simplement. Si vous voulez qu'on fasse d'autres concepts comme ça, sur d'autres sujets, n'hésitez pas à me le dire. Bref, c'était Cocteau, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu.